Eh bien salut à toutes et à tous, la même compagnie, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le patch numéro 4 de Sons of the Forest. Je suis super content de pouvoir vous proposer cette vidéo, mais avant toute chose, je voulais remercier ma communauté qui m'ont offert, vous êtes des zinzins. En fait, c'était mon anniversaire au début du mois et j'ai reçu une superbe lettre. C'est super mignon, c'est super gentil. Lixi, Margot, My Godness, Seb, Théo Camio et L7C Fox avec Miss. J'étais vraiment gâté parce qu'en plus de cette lettre, justement, non seulement ils m'ont offert une superbe tasse, beau clin d'œil à Minecraft, superbe taxe. Non, pas taxe. Oh le lapsus. Oh là là, oui, je bouffe des taxes, ça c'est clair. Non, des tasses. Tasse Mojang, Minecraft bien sûr, ça fait plaisir. Et en plus de ça les gars, est-ce que c'est quand même pas le glow up un petit peu du setup? Non franchement merci infiniment pour cette attention. Juste la lettre, j'étais comme dit super content et vraiment il fallait pas. Ça finit évidemment dans le décor. Hop, voilà. Merci beaucoup. Et évidemment je vais garder cette lettre parce que ça me tient à cœur. Alors les amis, aujourd'hui le patch numéro 4, la mise à jour numéro... Est-ce qu'on a enfin les chariots pour pouvoir déplacer, pour pouvoir justement avoir du bois sur ces fameux chariots comme sur The Forest, etc. Non, toujours pas. Mais ça viendra pour la prochaine mise à jour, ils nous l'ont promis. Par contre, quelles sont les nouveautés? Déjà, le plus gros ajout, c'est un nouvel élément qui s'appelle la Action Cam, globalement une GoPro, hein, mais bon, ils n'ont pas les droits, donc ils peuvent pas le dire, mais donc une caméra, évidemment, qui permet de filmer, hein. Alors, spoiler alert, pour ceux qui ne veulent pas être spoil de où c'est qu'on trouve et qu'est-ce qu'on peut en faire de cette fameuse caméra, n'hésitez pas à passer à 7 secondes de la vidéo, là, regardez, 7 minutes là, tac, vous voyez le timecode, et ben vous allez ici, comme ça vous n'êtes pas spoil, j'attends un petit peu que vous décalez. Voilà, comme ça vous n'êtes pas spoil. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que ça vous dérange pas d'être spoil. Donc tout simplement pour pouvoir récupérer cette caméra, ça se passe eh bien dans cette grotte. Donc, moi c'est absolument à l'opposé de là où je suis installé, c'est direction le sud. Donc vous allez dans cette grotte, vous rentrez dedans, c'est la grotte où justement il y a Timmy qui affronte le sort de gros mutant. Hein. Donc vous allez dans cette grotte là, vous suivez le chemin et vous allez tout simplement arriver au bout d'un moment, à force de descendre et descendre et descendre, vous allez arriver justement sur une sorte de zone d'expérience. Durant le let's play, on était déjà passé par là, où en gros justement on a les cultes avec leurs tuniques habillées en blanc et en fait ils sont examinés sur des planches. Et en fait si vous regardez bien, si vous cherchez ici, vous trouverez la Action Cam, donc cette fameuse caméra. À quoi sert-elle? Pour le moment elle ne sert à rien, dans le sens où on ne peut pas l'utiliser pour enregistrer. Moi je pense que par la suite on pourrait peut-être éventuellement l'utiliser en tant que caméra de surveillance. Peut-être que je m'enflamme un peu, mais ce serait ultra stylé. Par contre actuellement il y a une vidéo qui est dessus et qui permet d'en apprendre plus sur l'histoire de l'île et justement qui sont ces fameux cultes. Parce que sur la map, c'est vrai, dans la forêt, on trouve à différents endroits des cadavres de personnes en tunique blanche, un petit peu partout, en sang, mort, tout simplement, donc des cultes. On les trouve également justement sur ces fameuses tables d'opération. Mais du coup, c'est qu'ils sortent d'où et qu'est-ce qu'ils font là? Justement, avec la caméra, vous pouvez voir des archives de vidéos et globalement, c'est un petit peu flippant, ça fait un petit peu bader. Mais vous voyez que, bon, ils étaient bien illuminés. On n'en sait toujours pas plus dans le sens, bah, je veux dire, qu'est-ce qu'ils foutaient là, pourquoi ils ont fini comme ça, etc. Mais en tout cas, on voit qu'ils étaient un peu illuminés et qu'ils se sont tués eux-mêmes. Donc voilà un petit peu. C'était le spoil. J'espère pour vous que vous avez passé la vidéo pour ne pas être spoil, ceux qui ne voulaient pas être spoil. Grande nouveauté également maintenant, c'est qu'on peut renommer nos sauvegardes. Alors malheureusement, on ne peut pas renommer des sauvegardes précédentes. On peut les supprimer bien évidemment. Par contre, quand vous allez créer une nouvelle sauvegarde, vous allez pouvoir la renommer comme vous voulez. Donc c'est plutôt pratique pour se retrouver. C'est dommage qu'on puisse pas renommer les précédentes. Par contre, ça c'est vraiment... je sais pas pourquoi. C'est pas cool. Bon, ça je m'en fous un peu, mais en multijoueur, globalement, la nouveauté, c'est que... bon, on s'en branle. Ah ouais, ça c'est une superbe nouveauté, j'ai pas filmé ça, j'ai pas fait de rush avec ça, mais Kelvin il peut transporter deux bûches maintenant, ça y est, parce que Kelvin c'est quand même un abruti, à chaque fois il transporte qu'une seule bûche, maintenant il peut en transporter deux, ça ira deux fois plus vite, ouais. Alors souvenez-vous également, vous pouvez trouver des lunettes de vision nocturne, je vous en ai parlé, je vous ai montré où c'est qu'on peut trouver ça dans la précédente vidéo justement sur le patch 03, mais c'était pas fameux, souvenez-vous, les lunettes de vision nocturne en fait on voyait pas tant que ça, et bien là ils ont augmenté la luminosité et donc ça y est, on commence mieux à voir grâce aux lunettes de vision nocturne, qui est le principe même de ces lunettes. Alors on a Virginia également qui va nous rendre visite un petit peu plus souvent, donc ça fait plaisir. Voilà, je suis flatté. Il y a maintenant plus de bancs, enfin des trucs permettant aux cannibales de s'asseoir. Voilà, c'est super pour eux parce qu'il faut qu'ils se reposent quand même. Hein. Les cannibales se regardent maintenant parfois lorsqu'ils ne se battent pas. Voilà, c'est des petites améliorations d'intelligence artificielle, c'est-à-dire que des fois t'as des cannibales qui se battent entre eux.
C'est très rare puisqu'en général ils se battent sur toi. Mais si tu as la chance de les voir au loin et que eux ne t'ont pas vu, des fois ils se battent entre eux. Et bien maintenant ils se regardent. Enfin, ils sont pas obligés de se battre forcément. Ce n'est pas une fatalité. Maintenant ils se regardent. Peut-être bientôt on va aller voir Ken éventuellement. Ah, ça fait plaisir parce que dans la mise à jour numéro 3, souvenez-vous, l'intelligence artificielle a encore été développée, c'est-à-dire qu'ils avaient des nouveaux mouvements, il y avait des cannibales qui fuyaient quand ils avaient trop peur, quand ils se sentaient trop faibles. Et bien là, ils ont encore ajouté des nouvelles animations, des nouvelles variations d'attaque. Donc vraiment, je sais pas du tout, mais vraiment dans un an, on va avoir un jeu qui ne ressemblera même plus à celui qu'on a connu au tout début, c'est le but du jeu, mais c'est un plaisir quoi. On va vraiment avoir, je sais pas moi, mais une IA tellement imprévisible, avec tellement de possibilités, qu'on saura même plus comment affronter les méchants quoi. Donc c'est cool, ça c'est très très cool. Alors il y a plein de petites fonctionnalités vraiment bonus, un petit peu cachées, pas très importantes que je ne vais pas vous citer. Je mettrai de toute façon en description le patch note complet, je vous invite à aller faire un tour, comme ça vous verrez ce qui vous intéresse ou non. Moi je vous dis vraiment, pour moi le plus important, par exemple les cerfs et les sortes de bisons là, vous savez, avec les cornes, quand ils sont en mauvaise santé, ben, ils se couchent parfois pour tout simplement se reposer. C'est des petits détails, mais petit détail plus petit détail, ça fait quand même quelque chose d'assez cool quoi. On peut noter, et ça je l'ai filmé aussi, la vitesse de vol des oiseaux a été un tout petit peu augmentée. C'est vraiment très léger, mais donc vous allez un petit peu plus galérer pour choper les oiseaux. Petits ajouts plus petits ajouts, des petits détails comme ça, ça fait voilà, tu vois, tu fais des petites pâtes spaghetti bolognaise, tu rajoutes un petit peu d'agrément par ici, un petit peu par là, paf. C'est les petits détails qui font tout. Ils ont ajouté aussi un nouveau lac. Alors, je suis pas allé le voir. Du coup, je suis devenu parano. J'ai cru trouver des nouveaux lacs et tout. Mais du coup, visiblement non. Mais je trouvais ça très joli. Bref, il y a un nouveau lac. C'est-à-dire que... et je pense que ça va être comme ça un peu par la suite. Et ils commencent enfin à étoffer la map. Parce qu'il y a quand même des parties vides, inexploitées, inexploitables même. Et donc, ils commencent enfin à rendre ça. Voilà, dès que c'est un petit peu trop vide, hop, ils rajoutent de l'eau. Et puis, ça rend très très bien. Ils ont ajouté une flèche à la mini-carte pour savoir où est le nord. C'est toujours sympa. Les vêtements des cultistes morts sont maintenant ensanglantés. Alors je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure au cas où il y en a qui ont zappé pour pas être spoil, mais ça rejoint ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, pourquoi les cultes sont en sang. Voilà, vous le savez pour ceux qui ont regardé la partie. Bon, enfin voilà, des petits détails ici et là, c'est toujours sympa, c'est pas non plus grandiose, mais mine de rien, si et ça. Des corrections de bugs, c'est surtout ça, il y a vraiment mais toute une page. Voilà un petit peu pour ce qu'on peut retenir de ce patch numéro 4. Le gros truc, c'est donc cette fameuse caméra et cette fameuse histoire sur les cultes, voir à peu près par la suite ce qui va pouvoir se passer. J'ai un peu peur parce que j'espère qu'ils ont vraiment leur idée précise. J'espère. Et j'espère qu'ils sont pas en train d'improviser un scénario. Même si je pense pas. Parce que je trouve qu'avec cette histoire de culte, j'ai l'impression qu'on s'éloigne de l'histoire du cube. Et de. Enfin, j'ai l'impression que c'est deux histoires à part. Alors, l'un n'empêche pas l'autre, mais j'espère juste qu'ils vont pas se perdre à vouloir créer d'autres types de scénarios juste pour créer et étoffer des trucs. Moi, je veux vraiment savoir cette histoire du cube, d'où ça sort. Quel est le rapport avec Sahara Therapeutics, etc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo rétrospective vous a plu. On se retrouve dans 2 semaines, 3 semaines, je ne sais pas, pour la prochaine mise à jour. En tout cas, voilà, je voulais un petit peu vous partager les news, les nouvelles. D'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas le like. Et on se retrouve, pour ceux que ça intéresse, tous les jours à 16h pour Far Cry 4, le Let's Play nostalgique. Voilà. Merci encore pour ce cadeau et la lettre. Merci infiniment à la communauté. Incroyable, vous êtes des boss. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve très vite. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.